La famille, n'oubliez pas de vous abonner et de liker l'épisode, c'est très important. J'ai une bonne nouvelle la famille, j'ai ouvert ma deuxième chaîne YouTube pour vous mettre une nouvelle mini-série dessus. Donc allez vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, bon visionnage. Je suppose qu'on peut t'expliquer un petit peu, non? On est au Maroc. Donc t'as capté aussi que c'est la merde ici. C'est-à-dire que ça vous gère en France. Et la tête d'homme, ça devient de plus en plus difficile. On a leur famille, ça veut dire qu'ils ont plus le choix. On va retrouver Aiden. Il va ralasse fort. Où ça, le barbeur Hassan, là? Exactement. Comment ça, le Maroc? Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce qu'elle fout au Maroc? Moi, je pense qu'il y a vraiment un cutter à gratter là-bas. Viens au Maroc, on prend le premier vol, je t'attends. Ça te dérange pas, on fait un petit tour avant. Venez, on sort, là, j'en ai marre de rester ici. Pas mal le salon, franchement. Hé, la caisse, t'inquiète même pas. On va la voir. Nawara. Putain, qu'est-ce qu'elle fait là, cette pute? Pour le paper, je donne plus de sentiments. Je remplace mes battements par un pacemaker. Bah ouais, je suis mauvais, bah ouais, je suis toxique. Mais j'en veux de l'argent, gros que veut mon cœur. Je suis là pour le paper. Et tu penses qu'ils font quoi, BK, il est là au Maroc? BK, il nous a envoyé un message. Il a dit qu'il est en train de gérer les bails là-bas. Moi, je pense qu'il se la coule douce. Tu crois vraiment qu'ils vont se la couler douce alors qu'ils ont Julie et Aiden à gérer? Et ils sont pas H24 avec eux. Ils peuvent sûrement prendre du repos. Bah justement, non. Je pense qu'ils se mettent vraiment bien, moi. Et par contre, elle met trop de temps, là, frérot. Tu veux pas aller voir? Ouais, t'es ouf. Vas-y, j'arrive. Alors comme ça tu veux le baiser. Lâche-la. Donne-moi un coup. Coup. J'ai pas envie de ça. Vas-y, fais. Fais la putain de ta race. Et si tu me tues, tu vas perdre ton fils en même temps. Tu captes? Fais. Vas-y, fais là. T'inquiète pas. Une fois que j'aurai métal, tu n'existeras plus. Et moi, une fois que j'aurai mon fils, t'as un homme mort. C'est ce qu'on verra. Et casse-toi. Putain! 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 Ah! Ça va, toi? Y'a l'autre Hassan, il m'a sorti un couteau. Comment ça, Hassan? Y'avait l'autre Hassan là, avec le pute de Nawara. T'as oublié qu'elle a voulu nous peser celle-là? Comment ça, Nawara? Wesh, t'es parti à l'épicerie ou t'es parti bédave, toi, je comprends pas. Comment ça, bédave? Je voulais juste la péter, la mettre dans le coffre. Frérot, je comprends rien. Nawara, elle vient de rentrer dans la chop en criant, elle articule pas, j'ai juste compris Hanout et le D. Du calme frérot, moi aussi j'ai rien compris. J'arrive au Hanout, je vois le D, il est en train d'embarquer Nawara, frère. J'ai pas compris, mon ref. Qu'est-ce que tu fais avec un schlass? Frère, je l'ai trouvé devant le Hanout, t'es encore heureux que j'ai trouvé ce couteau, ma gueule. Le poteau, il embarque tout le monde, quand j'étais assis, je l'ai enculé. Il était avec qui? T'es tout seul. Enfin, je crois. Frère, heureusement que j'avais ce couteau. Si seulement on avait eu la même chance avec Aiden et Ali. Vas-y, bref, il s'est cassé, puis on se casse nous aussi. Nawara, ça va? Non, ça va pas. Hey, je mets pas le coup, on se casse. Bon. En tout cas, Fox, j'espère que t'es prêt parce que j'ai beaucoup de trucs à t'annoncer là. Je suis toujours prêt, mon gars.
Bien dormi ou quoi, Zinc? Alhamdoulilah, les travaux ils m'ont fait mal au crâne un peu, mais bon, tranquille. Ouais, pareil. Et sinon, à part ça, ça va? Ça va, j'ai fait mon sport tout carré, et toi? Pareil. Tout va bien, alhamdoulilah. Mais juste Nawara qui est partie, là. Elle est plus là? Elle est plus là. Ouais, faut la comprendre. En France, elle était plus en sécurité. Au Maroc aussi, elle était en danger. Donc je l'ai déposée à un hôtel, tu vois. Sans rien dire comme ça, elle part. Frère, je t'ai dit, faut la comprendre, elle a peur. Hein. Après ce qui lui est arrivé hier, elle aurait pu être enlevée, elle aussi, tu vois. Donc je l'ai déposée à un hôtel, tranquille. Mais elle m'a dit, ouais, dis au revoir aux autres et tout. Elle vous passe le salam. Ouais, comme salam. Ok. Et les autres qui vont arriver à l'aéroport, t'es prêt, on va le chercher? Je suis prêt, frère. Ok, mais juste un truc. Donc tu te fais un kahwa et pas pour moi. La machine, elle est là, t'es un grand garçon, non? Ah ouais, ok. C'est comme ça maintenant, ça fait des perses. Ok, je t'unfollow, bouge pas. Vas-y, moi aussi, je t'unfollow. C'est bon, moi, c'est fait. C'est carré. Vas-y, on y va. Putain, c'est que c'est vraiment la merde alors. Et toi, ça va? Tu tiens le coup? On fait avec, hein, c'est pas la folie, mais bon, tu m'as compris. En tout cas, c'est pour ça que je vais au Maroc. Donc là, j'ai pris mon billet, j'y vais tout à l'heure dans quelques heures. Donc si t'es chaud de venir avec moi, si tu te sens prêt, tu peux venir, frérot. Mais bien sûr, frère. Je te l'ai dit déjà, je suis avec vous. C'est bon, je peux compter sur toi. Ok. Bah écoute, ce que je te propose, c'est on se rejoint à l'aéroport. Ok, là, je vais faire mes affaires et puis dans quelques heures, on se retrouve là-bas. C'est bon? On fait ça. Ok, vas-y. Tout à l'heure, mon gars. Tout à l'heure, Alice. Attends. Par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu comptes vraiment aller au Maroc? Ouais, faut que j'y aille. Mais tu vois pas ton état? Ça va. Comment ça, ça va? Tu viens de me prendre une balle dans l'épaule. Bah là, je suis sorti, c'est bon. Mais... Et déjà, tu vas aller au Maroc pour faire quoi? C'est des grands garçons, ils peuvent se débrouiller tout seuls, non? Tu sais pas tout. Comment ça, je sais pas tout? C'est en partie de ma faute s'il y a tous ces problèmes. Faut que j'aille les régler maintenant. Mais t'as fait quoi encore? C'est trop long, je peux pas tout t'expliquer. Mais je te le promets, il va rien m'arriver. À chaque fois, tu me promets des choses et au final, tu tiens pas tes promesses. Écoute, Alice. Je te le promets. J'y vais, je règle ces soucis. Et quand je reviens, on aura une discussion. Ok? Mais du temps un peu, non? De ouf. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, il y a du monde à l'aéroport. Hein. Puis le soleil tape. T'as pas une bouteille d'eau, hein? Si, attends. Tiens. Ça va mieux? C'est du bien. Moi j'ai la dalle, t'as pas un gâteau pour moi? T'as un bon. Sont là les chacals. Bon, Soufiane. Comment va le coup? Ça va? Ça va, toi? Tranquille? Tranquillement. T'as fait bon voyage? C'est-tu quoi, c'est comment? Tranquille, ça va, toi? Juste, t'as vu les petites. Petites galères avec l'avion à l'atterrissage, mais bon. Ah, c'est pour ça, du coup. Hein? Ah ouais. T'es là, toi? Je suis là. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, frérot, j'ai parlé à Alice, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'il fallait que j'aille le voir à l'hôpital, donc. On a bien discuté et je pense que. Je pense qu'il va nous être utile. Donc tu lui fais confiance? Moi je pense qu'il a changé, frérot. Donc ouais, je lui fais confiance. Frérot, il s'est pris une balle quand même. Toi aussi. Il s'est mis à travers Beka, mon petit frère. À partir du moment là, frérot, il n'y a plus de manque de confiance. Je suis avec vous.
Bon, bienvenue les gars, bonjour. Ah ouais, putain, je comprends pourquoi tu t'installes au Maroc, hein. Carré la ville, là. En tout cas, bienvenue les frères. Bon, Bobby, merci. Quoi. Tu montes sous sa chambre? Ouais, elle est au-dessus. Vas-y, c'est parti. C'est parti, frère. Tout à l'heure, bienvenue. Fox. Fox. On y va? Je suis dans ta chambre, toi aussi. Eh, hey, c'est comment? De quoi c'est comment? Farouk, on va se le faire? Farouk, on va se le faire? Bah, je sais pas, t'es là, tu me pétas des déodorants, je sais pas quoi, ma gueule. Eh, hey, je t'ai déjà dit, c'est pas le barbeur de ton coach, j'ai envie de péter un truc, je le péta. Eh, hey, vas-y, bref, parlons concret, c'est comment? Farouk, on va le pister. Dès que ce sera le bon moment, on va se le faire. J'espère bien. Bon, frérot, faut quand même qu'on ait une discussion, toi et moi. C'est vrai. Vas-y, dis-moi. Tu sais que si on en est là, c'est en partie ta faute un peu. Eh, vas-y, Hassan, c'est bon, tu me le répètes tous les jours. Ouais. J'ai compris. C'est ta faute. Je le sais. C'est totalement ta faute. Donc faut que t'assumes maintenant, t'es un grand garçon, non? Je te l'ai déjà dit, si c'est pas moi qui aurais pris le petit, ça aurait été un autre. Et là, ça aurait été différent. Au moins, il était en sécurité avec moi. En sécurité avec toi? Et si moi j'avais kidnappé ton gosse, t'aurais réagi comment? Hein? On est d'accord. Bref, ouais, je suis là pour récupérer Aiden. T'as plus qu'un bras, Jamel Debbouze, tu vas faire comment? T'as oublié ou quoi? Arrête tes blagues. Si tu te serais pas mangé une balle pour nous, jamais tu serais en face de moi en train de parler avec Rome. Ouais, on n'a pas le temps pour ça. Faut qu'on récupère le petit. T'es avec nous maintenant? Bien sûr que je suis avec vous. T'es sûr de toi? Sûr. T'es motivé, t'es prêt? Concilié ou quoi? Ouais, on va dire ça comme ça. Je peux te parler deux minutes? Vas-y. Ok, j'ai capté. Je vais voir souffle, moi. Je vous laisse. Dis-moi, mon gars. C'était par rapport à la dernière fois ce qui s'est passé à Paris. Avec mon petit frère. Ouais. Écoute, dit comme ça, je sais que c'est bizarre, mais... Heureusement que t'étais là et c'est toi qui as pris la balle. Heureusement que c'est moi qui ai pris la balle. T'imagines? Ali, il aurait mangé une balle, ça aurait été fini. Avec l'enchaînement de tout ce qui s'est passé, Aiden, etc. Ali mange une balle, on aurait été... On serait tombé, frère. C'est trop. Heureusement que c'est moi qui l'ai pris. Je sais pas, en vrai, c'est bizarre. Et t'as vu, au début, j'avais le somme de Watt. Je te cache pas, j'avais envie de te... Tu peux me comprendre? Bien sûr, je peux te comprendre, frère. Eh, je suis parti en couille. J'ai vrillé, frère, j'ai pété les plombs, mais heureusement, j'ai repris mon esprit, et très rapidement. Et qu'on a pu libérer le petit. Je m'en voulais tellement. En vrai, je me suis pas excusé. Je suis pas venu tous vous voir, mais je tenais à m'excuser même auprès de toi. Parce que même si j'ai pris la balle pour le petit, c'est à cause de mon erreur avant. Pas forcément pour Ali, mais tout ce bordel. J'ai foutu la zizanie dans la famille. Je suis désolé. Ça me touche, gros, ça fait plaisir. Je suis content de t'avoir retrouvé. Excuse-moi, toi j'étais encore mal. J'étais sérieux quoi? Je sais pas ça va durer combien de temps, mais j'en peux plus, frère. T'inquiète, ça va passer. Excuse-moi, voilà, c'est bon, c'est bon. Tu vas reprendre le sport bientôt. C'est vrai quoi? Une main c'est suffisant, j'ai dit déjà. Vas-y, frère. Je te dis la vérité, non, je pense que je vais rester là. Je vais rester là, frère. Tu as changé les idées un petit peu avec nous? Je me sens pas de sortir et tout. Là, je vais être de mauvaise compagnie, allez, sans moi les frères. Moi aussi, je me sens pas de sortir avec Aiden, tout ça, frère. Mais je suis obligé, sinon je vais commencer à serrer si je vais rester ici. Ah, je sais, mais...
Voilà, en vrai, allez-y, tranquille. De toute façon, on aura l'occasion de se refaire ça, tu vois. Je comprends, vas-y. C'est bon. Vas-y, va après, de toute façon. Mais tout à l'heure. Ouais. Reste pas là, frérot, il fait chaud ça, c'est tard. Ah, t'inquiète, je vais rentrer. Vas-y. Téma, il sait même pas ce qu'il l'attend. Eh, hey, on va attendre qu'il fasse la fermeture et après on y va. Vas-y, vas-y. C'est dommage en vrai que ce fait vienne pas. Ouais, dommage de ouf. Mais qu'est-ce que tu te dis? Les poteaux préfèrent rester seuls, c'est compréhensible, non? Je comprends. Il a ce problème. Ouais, de ouf. Donc là, si je comprends bien, t'as mis ce t-shirt parce que tu crois que t'as un mec du clan Uchiwa. Toi, tu connais pas Fox Itachi? Vas-y, toi, Fox Itachi de quoi? Donc en fait, tu te prends pour Itachi parce que Zama il a trahi les siens et lui il croit que c'est pour la bonne cause, c'est ça? Tu peux dire ce que tu veux, de toute façon, moi je te calcule pas. Itachi c'est un bon. Non, Itachi, moi je le kiffe. Mm. Mais. T'es pas Itachi, hein? Putain, les gars, wesh! J'arrête de le toucher, tu vois pas, il a mal! Ah, vas-y, allez vous faire foutre, hein! Je lui dis, j'ai mal à l'épaule à chaque fois pour recommencer! Par contre, tu fais un peu trop le mec susceptible, là. Il a oublié qu'il a kidnappé mon gars, ce bâtard! Il a oublié, va lui rappeler après, puis. Fuck! Tu fais le mec Itachi et tout ça, hein, moi, oublie pas! Moi, je suis comme Naruto, plutôt! C'est bon, frère, arrête de bouder, wesh! Vas-y, c'est bon! En plus, tu fais le mec qui boude, ça! Je sais pas, vous me rendez fou avec mon épaule! Wesh, il veut tirer, Wesh. Wesh. Attends. شوماج درتي زعما عاد جينا عاد شفناكم لعبوا معاكم ماتش يلاه ماتش دابا شحال يلاه ماتش شحال ندير عطيني غير جوج دراري معايا يلاه خذ اللي بغيت يلاه هذا انا كاسكيت هذا المغرب معايا اجي معايا صافي خرجوا نتوما بغا يتلاحقوا ماتش دابا يلاه سي بارتي فوكس وفا ماتش كونت وجيت تكونش وازي دابا لعبوا ماتش بومات كتعرف لعبه اخويا عندك في الجليله يلا سكوب.
Salade composée de cafards, tu arrives bien. Tu connais ton galodé, non? On reçoit toujours bien nos invités. Enfoiré, moi, tu m'as jamais mis bien comme ça quand je suis venu chez toi. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Un animal comme toi, t'as besoin de rien. Ah, vas-y, bref, moi, je me casse. Heureusement qu'on a gagné en vrai. Ah frérot, je t'ai dit quoi, les Marocains ils se chauffent ou pas? Ils se chauffent. Ah, terme à la dernière Coupe du Monde, poteau. Mais en vrai, c'est grâce à qui qu'on a gagné? Si je t'aurais pas fait la passe, t'aurais même pas marqué, frère. Eh frérot, l'action elle part d'Obi. Si Obi m'avait pas fait la passe, comment je t'avais pas fait la passe? Que tu m'avais pas fait une passe dans l'axe, que j'aurais pas mis le but de la victoire, on en serait pas là, frérot. Vas-y, viens voir, soupe un peu là. Ouais, vas-y. Non, les gars, je vous dis juste, faites attention à mon bras. On a pas fait ce riche. À chaque fois vous êtes là, vous me tapez, frère. Là, tu connais pas ce de retour. Frérot. C'est comment? Ça va, tranquille. Frérot, je t'explique. Petit après-midi, tranquille, débarre. On arrive, petite ruelle. Il y a des petits qui jouent au foot, tout ça. Et là, il se passe quoi? Il y a un grand, il regarde Fox dans les yeux. Il lui dit, toi et moi, ce soir, là, tout de suite, 1v1. Le poteau, il va vers lui, il fait quoi? Il met un petit pont à Fox. C'est un mytho, c'est un mytho, c'est un mytho. C'est pas un mytho, il m'a mis un petit pont. Mais je l'ai remis directement. Ouais, il a mis un petit peu aussi. Mais le sien, il était meilleur, t'as capté? Parce que tout le monde a fait « Wouah !» C'était ses potes, toi, désolé, j'oublie tout.
désolé. Mais en tout cas, frérot, ça, c'était une putain d'après-midi, on a tapé des bars, c'était lourd. Bref, moi, j'allais me doucher. À tout à l'heure. Tu vas me doucher, gros. Sima, ça va ou quoi, toi? J'essaie de faire avec, hein, mais c'est compliqué. Ouais, je comprends. Et toi-même, là, quand je jouais avec les types, ça m'a beaucoup fait penser à Aiden. Mais d'un côté, j'étais content parce que j'avais l'impression vraiment de jouer avec Aiden. Ah, moi, j'arrive pas à lâcher prise, frérot. Là. Je fais que d'y penser tout le temps. Ça va faire, frérot. Je vais aller me toucher. Ah, c'est tout le monde va se toucher. C'est pas un peu trop ça? Vas-y, cache ça là! T'es en plaisir! Allez, viens, viens! Ouais, salam Hassan, ça va, tu vas bien? Bah, c'était juste pour tenir informé qu'ici tout se passait bien au salon et que j'espère que pour toi aussi ça va bien. Et on se revoit bientôt, Inch'Allah! Allez, salam! Que ça marche, n'oublie jamais tes prières. Je regarde le ciel en me demandant où j'irai. Je leur ai tendu la main sur moi, ils ont voulu tirer. J'aurais pu t'avoir, mais t'étais à perte. Et si demain je pars, donner tout à ma mère. Je te souris alors que moi j'ai mal. Aujourd'hui toi tu reviens. Moi j'ai tourné la page, mais j'oublie pas quand j'étais en chien. Tes liens se sont cassés, je peux pas changer le passé. Ce n'est qu'à nous revoir, on se verra de l'autre côté. Faut que je mette de côté avant qu'elle soit plus là. Maman, pardonne-moi si je suis pas là. Bientôt j'arrêterai, 30 appels manqués. T'en fais pas pour moi, cette année j'ai généré. C'est moi l'aîné de la famille. Alors, tu fais quoi là? Ça fait une demi-heure, je t'attends. Je t'attends. Sans pas les couilles d'où j'étais. Faut que je te parle, je te dis. Vas-y, je t'écoute. Ils nous prennent pour des salopes. Pourquoi tu dis ça? Pas t'étale. T'as été payé. C'est très bien. Je crois qu'on va devoir se contenter d'un million. Comment ça, je te suis pas là? On va en buter un. Ouais, t'as raison. Si tu butes Julie,
Là, ils vont capter. Ils vont capter qu'on n'est pas des typeux. Qui t'a parlé de Julie? C'est pas Julie que je vais buter. C'est Aiden. Pour le paper, je donne plus de sentiments. Je remplace mes battements par un pacemaker. Bah ouais, je suis mauvais, bah ouais, je suis toxique. Mais j'en veux de l'argent, croque veut mon cœur. Je suis là pour le